J'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Ben oui, votre télématin continue. On continue ce bloc-notes. Il continue avec l'actualité cinéma. C'est pas pour rien qu'on vient d'écouter, on vient d'entendre Philippe Catherine. Parce que lundi soir, à Paris, s'est déroulée la cérémonie de remise des prix Romy Schneider et Patrick Devers, qui récompense les espoirs du cinéma féminin. Depuis combien de temps ? Depuis 37 ans. Et effectivement, alors, on a entendu Philippe Catherine, mais ce sont non pas les jeunes espoirs, mais les espoirs du cinéma tout court. C'est-à-dire, on récompense un acteur et une actrice pour sa carrière prometteuse, pour sa carrière au cinéma en devenir. Et alors, ça a lieu dans un grand hôtel parisien du 8e arrondissement, dans lequel Marlène Dietrich a séjourné 3 ans. Étaient nommées 3 actrices et 3 acteurs. Du côté des actrices, on avait Lily Rose Depp, qui a des parents illustres, on le sait, Alice Izaz, mais aussi la jeune Diane Rouxel, qu'on avait vue notamment dans 3 films l'année dernière, dont le très beau Volontaire avec Lambert Wilson. Du côté des acteurs, nous avions le jeune Félix Moati, William Legbill également, et tiens, Philippe Catherine. Faut-il préciser qu'il a un talent fou et qu'il est irrésistible de rire. Alors, ils étaient tous les deux les lauréats. Nous avons donc Diane Rouxel qui a remporté le prix Romy Schneider et Philippe Catherine qui a remporté le prix Patrick Devers. Ils étaient pour l'occasion accompagnés de leurs parrains qu'ils se sont choisis. Diane Rouxel a choisi Lambert Wilson, nous avons rencontré ces deux-là, et Philippe Catherine a choisi Thierry Jousse. Thierry Jousse qui est réalisateur, qui est un ancien critique de cinéma, ancien directeur des Cahiers du cinéma. Je me suis rendue à cette remise des prix avec beaucoup de plaisir et j'ai rencontré les lauréats et les parrains. Bonjour Diane. Bonjour. Alors heureuse? Très contente, ouais. Le prix Romy Schneider, qu'est-ce que ça vous évoquait dans votre inconscient d'actrice? C'est un prix important parce que c'est un prix qui est pas seulement pour un film qu'on a fait, mais plus pour l'ensemble un peu des films qu'on a fait. Quand je vois la liste un peu de toutes les actrices qui ont eu avant moi, c'est hyper gratifiant. Dont votre parrain, Lambert Wilson, qui lui avait reçu le prix Jean Gabin en 90, oui. Et maintenant c'est devenu Patrick Devers. Oui, et c'est le seul prix que j'ai reçu en tant qu'acteur. Ah, je suis très étonnée. J'ai été nommé pas mal de fois Molière, au César, etc. Je n'ai jamais reçu de prix. Et en fait, j'en suis très fier de ce prix. Bah, c'est vrai que j'ai pensé à Lambert tout de suite parce que j'ai joué dans le film d'Hélène Filière, Volontaire, où c'est la première fois que j'avais un premier rôle. J'étais très souvent avec Lambert qui m'a accompagnée et encouragée. Donner des conseils un peu, ouais. Donc c'était évident que ça allait être mon parrain, ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes comédiens, ils abordent le métier différemment ? Mais complètement. Tout le monde pratique une forme de tournage permanent, ouais, avec les smartphones. Ils font des images tout le temps et ils se mettent en scène les uns les autres. Et je crois aussi qu'ils dédramatisent dans leur quotidien la présence de la caméra. Parce qu'en fait, il y a des caméras partout. Ils sont habitués. Ils sont beaucoup plus habitués. Moi, ça me rendait très nerveux, ces machines. Bonjour Philippe. Alors, heureux. Un petit peu ému, donc. Le son a du mal à... Ah oui. Vous recevez le prix Patrick Devers aujourd'hui. Patrick Devers, qu'est-ce que ça vous évoque? Eh bien, c'est un acteur, disons, sensible, hein, extrêmement sur une corde, que j'apprécie beaucoup. Hein. Il faut le dire, Coup de tête reste pour moi un de ses grands films. Hein. Décidément, c'est quand même l'année des prix, là. Quelle importance vous y accordez? Bon, moi, j'ai jamais eu de diplôme à l'école. Mm-hmm. Enfin, si, j'ai eu le bachot. Ouais, mais c'est bien, déjà. Oui. Le bac B, économie. Ah ouais, ah oui. Ouais. Je pensais que vous alliez me dire A3, un truc comme ça. Pas du tout. Économiste, oui. Économiste, de carrément. De premier ordre, oui. Ouais. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, on le sait. Le premier rôle, c'est venu comment? Eh bien, le premier rôle, c'est mon parrain. Thierry Jousse, oui, ici présent, oui, qui me l'a proposé. Il a 2 qualités importantes pour un acteur. Il sait improviser, vraiment merveilleusement, et il crée une bonne ambiance sur le plateau. Je peux vous garantir que quand vous avez Philippe Catherine sur un plateau, vous êtes tranquille, tous les techniciens vous suivent, il n'y a pas de problème. Alors, 2 prix cette année. Là, un tournage qui vient de se terminer avec Danny Boone. Oui. Ça y est, vous êtes un acteur bankable. J'aime l'accent.
Bankable. 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 Ouais. Et merci Philippe et bravo. Bravo, bravo à tous les deux. Carrière à suivre, évidemment. Exactement. Anémone. Et puis un petit hommage à Anémone. Évidemment, vous en avez beaucoup entendu parler depuis qu'elle nous a quittés hier soir. Juste pour vous rappeler brièvement que c'est Coluche qui lui a offert son premier grand rôle au cinéma. Vous vous souvenez dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine avec le Chevalier Blanc, n'est-ce pas? Et puis elle a été consacrée pour son rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Beaucoup de comédies, on se souvient aussi de Viens chez moi, j'habite chez une copine. On n'oublie pas qu'elle était aussi douée pour les rôles dramatiques, Le Grand Chemin. Elle avait reçu un César de la meilleure actrice. Et c'est vrai que dernièrement, elle avait abandonné le cinéma. Ça lui plaisait plus trop, elle préférait les planches. Voilà, Anémone qu'on embrasse et on salue ses deux enfants. Merci beaucoup.